D'accord, ok, donc Power Cliff. Et du coup, le Power Cliff, il fonctionne pour Cracker contre Doflamingo? Ça marche pas? Moi, je veux bien Power Cliff, hein. Bah pour eux, par exemple, même Ulti à Power Cliff, Katakuri à Wano, et c'est d'où l'argument même de Ulti supérieur à Katakuri a commencé à D'accord. partir. Power Cliff level du coup, Ulti. D'accord, ok. Donc elle atteint un power, elle a un power-up inventé avec le Power Cliff. D'accord. C'est complètement ridicule. C'est très intéressant, mais du coup, pour Cracker, pourquoi est-ce qu'ils me disent que Cracker est plus faible que Doflamingo? Bah là, j'avoue, c'est un débat. Et il y a quand même débat. C'est un grand débat de la communauté anglophone aussi, Bah, mais surtout non, mais je comprends pas. Attends, Doflamingo. attends, attends, mais ça Power Cliff ou ça Power Cliff pas, frérot? Ouais, je suis désolé. Bon, Ah, là, je c'est. pense que ça dépend des personnages qui suivent. Frérot, je suis désolé, non. On va arrêter de prendre des gens pour des cons 2 minutes et on va parler sérieusement. Ça power cliff ou ça ne power cliff pas? Je suis désolé. Est-ce que c'est Ah, au-dessus ça ou dépend pas? de Oui, je. l'agenda. Il y en a, ils pensent que ça a power cliff, pas d'autres qui pensent que ça a power cliff. Bah, et c'est quoi qui Ceux décide qui. Parce que si tu dis que Kizaru est plus fort que Kaido, tu ne te bases pas sur les faits des combats. Donc si tu ne te bases pas sur les faits du combat, c'est quoi qui définit le power cliff? Le power cliffing, c'est quoi qui différence? C'est quoi le. Il y a une partie qui pense qu'il n'y a pas de power cliff dans OP, et l'autre partie qui Non, pense non, mais moi je qu'il y suis en a. persuadé que les gens qui disent Power Cliff Kizaru sont les mêmes qui disent que Doflamingo est plus fort que Cracker. Je suis persuadé parce que c'est les mecs qui te disent Doflamingo, deuxième commandant, premier commandant. Ce sont les mêmes, je les connais. Donc qu'on m'explique comment ça se fait. Ça Power Cliff ou pas? Je sais que ce sont les Bah, je mêmes. sais pas. Je sais très bien. Tu retrouves Je sais pas. systématiquement les mêmes. T'as Cracker qui dit Big Mom est une femme prévoyante, elle m'a envoyé pour battre l'homme qui a battu Doflamingo. Tu vois Luffy qui galère pendant 11 heures. Luffy qui dit il a un ki supérieur. Mais là, il n'y a pas de power cliffing là. Ah là, c'est. Ah non. Là, Doflamingo, il est plus fort. Tu vois bien que c'est compliqué. Je suis désolé. Bon, il y a un autre mot du coup de Golemon à part power cliffing là? Je vais faire un Lol. lexique maintenant. Je vais pouvoir utiliser les termes anglophones quand je vais faire mes reacts, les mecs. Ça, c'est un truc dont je me rappelle de la communauté anglophone. Il y a une personne qui s'appelle Sandman, Attends, deux que secondes, deux vous secondes, je suis connaissez. désolé, 2 secondes, il y a un mec qui l'a dit, Mihawk s'est fait power cliff par Arlong. Ah, je suis mort. Mihawk s'est fait power cliff par ce con d'Arlong. Ah ouais, attends, 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 mais du coup, ça veut dire que le grand Odie Jones a power cliff les amiraux alors de Marineford. C'est ça? Bah oui, c'est vrai. Ah ouais, bah putain, il est vachement sous-estimé. Montez dans le train, les mecs. Je enfin, tu disais. Je disais que il y a une personne sur Twitter, elle s'appelle Sandman. C'est un japonais, du coup, qui fait des traductions souvent des textes de One Piece, etc. Et il traduit certaines parties, certaines phrases de certains personnages et il donne son interprétation. Et du coup, un peu de la communauté anglophone, il y a certains qui le vénèrent comme un dieu. Et vu qu'il donne un peu de l'espoir pour les fans des amiraux, bah, chaque fois que. Il y a une phrase de Kizaru, ils sont en train de pleurer sous ce tweet, s'il te plaît, traduis. Est-ce que. Du tout. C'est trop. Ah, j'aime trop cette vie là, je te jure. Je vis pour ce genre d'anecdote, frérot. Je te jure, je vis pour ça. C'est ce genre de truc qui me fait kiffer. Non, c'est incroyable. Quelle vie de fou. Ils sont là dès que Kizaru, le pauvre Kizaru, le froc, il est plein depuis 15 chapitres. Ça fait 15 chapitres, son froc, il est plein, il est en train de déborder. Excusez-moi, n'essayez pas d'imaginer la scène. Ils sont là dès qu'ils parlent, ils commencent à dire ouais, son. Mais non, c'est un truc de ouf. Et du coup, ils pleurent, ils disent ouais, est-ce que tu peux nous Parce traduire? qu'en fait, dans un tweet, il avait expliqué que en japonais, comment dire, Kizaru, quand il est détendu, je sais plus c'était quoi le terme exact, il a comment dire, il avait l'habitude d'étendre ses phrases. Et il y avait un Ah, truc je comme savais ça pas ça. qui il y avait un truc comme ça qui tournait un peu. Et donc quand Kizaru il étendait plus ses phrases, apparemment ça prouve qu'il était sérieux, et quand il étend ses phrases, en fait, ça montre qu'il est pas à fond. Ah Et donc, ouais, l'hôpital contre le psychiatrique, hein. pour le moment, il étendait ses phrases. Ça fait du scaling de phrases maintenant, ça fait Parce du que scaling de ils ponctuation, vont ponctuation level. détourner que Sandman l'a dit. Sandman n'a jamais dit ça. Il a juste dit, d'habitude, Kizaru, il étend ses phrases, sauf que là, bah, il n'a pas étendu sa phrase. C'est tout. Hein. Et les gens ont dit, ouais, ça veut dire que d'habitude, t'es pas sérieux. Non, ça veut dire que là, quand il était contre Luffy, il avait tellement chaud qu'il avait même plus à parler de sa manière habituelle. Il pouvait même plus parler normalement. Ah oui, en gros, mais oui, ok, je vois. Donc en gros, Sauf que eux, ils ont détourné pour que ça aille dans leur sens. ok, ouais, donc en gros, quand il avait le froc plein, Kizaru, qu'il avait du mal à parler, bah du coup ils ont eu chaud, du coup ils se sont dit putain, comment ça se fait qu'il peut plus parler quoi, c'est ça? Bah, c'est vrai. Ok.
Il est temps Mais d'écouter ses phrases. moi, honnêtement, Sandman, j'ai une anecdote par rapport à lui qui m'a vraiment, vraiment fait rire à l'époque. C'était un petit moment quand même, hein. On s'est déjà parlé une ou deux fois, lui et moi. Il y avait un truc que j'ai vu, parce qu'en fait, il y a un mec, il y avait un débat par rapport à Barbe Blanche contre Roger, en prime tous les deux, bien sûr. Hein. Et du coup, il y a un mec, il lui a dit, ouais, mais ce que je répète souvent, on nous a dit textuellement que, et il y avait Garp également dans le débat, seul Barbe Blanche pouvait rivaliser contre Roger. Et on parlait du Roger malade du coup. Donc en fait le débat c'était Barbe Blanche et Garp. Ouais c'est ça, c'était le débat, c'était Barbe Blanche contre Garp. Parce qu'en fait il y avait un mec qui disait que Garp, vu que c'est égal de Roger et que Roger est au-dessus de Barbe Blanche, et bah Garp est au-dessus de Barbe Blanche. Faut suivre un peu le truc. Et du coup moi ce que je répète souvent c'est on nous a dit textuellement que seul Barbe Blanche pouvait rivaliser avec Roger. On parle du Roger malade bien sûr, post-Xebec. Hein. Et du coup il y a un mec qui m'avait dit ouais est-ce que t'es sûr de ça tout. J'ai fait bien sûr que je suis sûr de ça. Enfin je peux pas répéter un truc si c'est faux. Il me dit c'est quel moment, du coup je lui envoie et tout. Et le mec il est parti chercher en japonais. Et il est parti, il a mentionné Sandman. Il a dit qu'est-ce que c'est écrit là en japonais. Et Sandman il lui a dit quoi? Il lui a dit c'est écrit seul Barbe Blanche pouvait combattre Roger de manière égale. Et Sandman il met des parenthèses en gros parce qu'il donne son avis. Il dit moi-même je pensais que Garp avait le niveau de Roger. Donc cette phrase m'intrigue. Et du coup, ça avait fait un peu de bordel à l'époque parce que les gens se sont dit mais c'est pas possible. Et là, c'est là que je me dis que même le mec qui traduit. Tu vois, même lui, il était là en mode. Même lui, il donne son avis, il dit, mais moi, je croyais que Garp, il avait le niveau de Roger, tu vois. Et c'est là que je dis, voilà pourquoi il faut prendre. Quand on fait des rapports de force, il faut voir l'œuvre dans sa globalité. Quand t'as Roger qui dit, on a combattu plein de fois Garp, on n'a pas de contexte. On n'a pas de temporalité. On n'a rien du tout. On ne sait pas ce que ça signifie. Donc le fameux Garp égale Roger Prime parce qu'il a combattu plein de fois, ça n'a strictement aucune valeur. Tant qu'on n'a pas temporalité. Luffy a combattu avec Luffy en combat à mort, les deux ont failli mourir. C'est un fait. Est-ce que c'était Luffy Gear 5? Non, c'est Luffy d'Enies Lobby. On peut dire pareil pour Zoro. Zoro a combattu Dasbonnet, il a failli mourir. Il a eu besoin d'un power-up. C'est quel Zoro? Quelle temporalité? À quel moment? À Alabasta. Donc du coup, tout ça pour dire que oui, quand tu prends l'œuvre dans sa globalité, et là, tu as une temporalité exacte, on nous dit à ce moment-là, il n'y avait que Barbe Blanche qui pouvait le combattre de manière égale. Donc Garp, ça n'existe pas. Garp, il mange à la table de Sengoku. Et Sengoku ne mange pas à la table de Roger. Sengoku, quand il est avec tous ses potos à la marine, quand il est préparé, quand il a trois slips de rechange et une couche, il dit quoi? On peut perdre contre Barbe Blanche, vieux et malade du coup. Donc c'est pas pareil. Donc comparons ce qui est comparable. On ne compare pas Garp à Roger. Je sais plus c'était quoi le. Ouais, c'était par rapport à Sandman. Mais du coup, je pense qu'il faut arrêter de pleurer sous les. Voilà, faut pleurer pour Sandman et le supplier. Parce que, enfin, je sais pas, ils s'attendent à quoi? Ils pensent vraiment qu'il va leur dire, ouais, regardez, Kizaru, il a dit, je suis plus fort que Luffy. Ça n'existe pas, ça. Tu vois à quel point Ben en c'est fait, devenu malsain, frérot. Ça part en ponctuation, ça parle en point. C'est grave. beaucoup vénèrent comment dire, l'interprétation de Sandman. Parfois, je me retrouvais dans des débats avec quelque chose, j'ai oublié, c'était sur quel sujet. Et il faisait que spammer un tweet de Sandman. Je crois que c'était un débat par rapport à ce truc. Et il faisait que spammer des images de l'interprétation de Sandman. Et ils utilisaient ça comme argument valable pour justifier leur point. On est dans Yu-Gi-Oh, frérot, il te sort la carte Dragon blanc aux yeux bleus. C'est quoi? C'est la vie de Sandman. Ah ouais, d'accord, ok, intéressant. Bah ouais, bah après, voilà, en toute honnêteté, moi, dans ce genre de truc-là, tu me sors la vie de quelqu'un pour me justifier. Non, présente-moi des faits. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je sais pas, c'était par rapport à quel débat, mais présente-moi Et des le faits. pire, c'est que dans le screen, c'est Sandman, il disait bien que c'était son avis. Bah Et écoute, là, ouais, non. j'ai un nouveau terme, là, un nouveau tweet frauduleux. Ah, dis-nous tout. Alors, Roger est un nul d'ailleurs. Roi des stalemates. Rodé quoi? Stalemates. Attends, je sais pas comment ça écrit. Moi, tu vas dire en mode quand tu finis pas un combat en mode. Il a combattu Shiki. Son égal, il a été sauvé par la tempête. Stalemates. Contre Barbe Blanche et contre Garp, pareil. Et il s'est infiltré pour avoir le. On va quand même tout prendre Et dans n'est pas dans le l'ordre. top 5 des plus forts. Ouais, attends, on va quand même tout prendre dans l'ordre. Par rapport à Shiki, je rappelle que Sengoku a regardé Shiki droit dans les yeux. Il lui a dit, si on libère Roger, il va tarter. Il va te tabasser. Est-ce que Shiki a protesté? Hein, ceux qui aiment les ponctuations, les petits points. Qu'est-ce qu'il a répondu, Shiki? Il y a une grosse bulle, plein de petits points. Ça s'arrête là. Shiki Même sait qu'il est plus fort. Shiki était sur les mers avec une énorme flotte. Donc, encore une fois, faut prendre le contexte et faut arrêter de faire le con. C'est quoi le deuxième argument? c'était bon contre Barbe Blanche et contre Garp, Stalemate, pareil. Contre Barbe Blanche et contre Garp. Garp, il s'est chié dessus contre Shiki avec Sengoku.
Pourquoi il parle de Roger? C'est entre les deux, qui devait arrêter l'autre? Roger ou Garp? C'est Garp. L'a-t-il arrêté une fois? Non. Carrière de merde. Point. Le seul pirate qu'il a capturé, connu, Duan Xinzhao. Point. Ne comparons pas ce qui n'est pas comparable. Il y a quoi d'autre? Ah, oui. Barbe Blanche. La Barbe Blanche, il le combat quand il est malade. Et c'est quoi ce tout de con? C'est quoi notre argument encore? Filtrer pour prendre le point d'églyphe à Big Mom. C'est quoi l'intérêt de battre Big Mom quand t'es plus fort que Big Mom? C'est une question que je pose. C'est quoi l'intérêt? Il a battu l'ex-capitaine de Big Mom. Il combat Barbe Blanche Prime qui est de fait plus fort que Big Mom. Quel intérêt? Quel intérêt? Aucun intérêt. Je sais pas. Voilà. Donc il n'y a pas de débat là-dessus. C'est complètement con. C'est encore un... Bon bref. Tu voulais dire quoi, The Fable? C'était par rapport à Duan Xinzhao. J'avais eu un débat avec un anglophone sur ça. Je l'avais posé une question très très simple. Parce qu'il pensait que Garp était égal à Roger. Je lui ai dit, est-ce que pour toi, Kaido, à l'heure actuelle, il a besoin de faire quoi que ce soit comme entraînement pour one-shot Duan Xinzhao? Il essaie de tourner la question, il essaie de tourner. Je lui ai dit juste de répondre par oui et non. Et comme il a vu qu'il était coincé et qu'il avait plus le choix, bah, il a décidé de faire ce que tous les anglophones font. Il a monté le niveau de Duan Xinzhao. Il a dit que oui, Kaido. Magnifique. Magnifique. Ah, j'applaudis. J'en ai déjà connu un comme ça. J'en ai déjà connu un. On avait React, pour ceux qui s'en rappellent, il y a un peu plus d'un an. C'était Duan Xinzhao niveau Yonko. Parce qu'en fait, pour l'anecdote, en gros, je faisais de la React et tout. Et en gros, je disais qu'il a dû de fait s'entraîner pour le battre. Et est-ce que Kaido ou est-ce qu'un niveau Yonko aurait besoin de s'entraîner? C'est juste oui ou non. Commence pas à dire oui, mais il a déjà affronté Roger et tout. Donc tu sais pas c'est quel contexte, tu sais pas si c'est fait comment, à quel moment, t'en sais rien. Donc parle-moi de ce que tu connais, s'il te plaît. Donc est-ce qu'un niveau Yonko aurait besoin d'un quelconque entraînement? Et en sachant qu'il y a eu plein de combats, ça a été dit clairement, Garp et Xinzhao se sont combattus plein de fois. Et du coup, bah, j'avais répondu ça, j'avais fait un debunk. Et du coup, bah, forcément, ça a cogité. Et bah, du coup, le gars, il a commencé à dire Xinzhao niveau Yonko. Tu vois? Et ça, le problème, c'est quand tu réfléchis à l'envers. Tu vois? C'est au lieu de te dire que Garp, au lieu de te dire que t'as mal calculé le niveau de Garp, tu dis, ah ben non, peut-être qu'il faut monter le niveau de Duan Xinzhao. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, c'est qu'est-ce que tu veux? Ça, c'est propre à plein de trucs, hein. Ça arrive très souvent. Très très souvent, ça arrive, c'est le mec qui... C'est comme, tu prends Aramaki, quand il a affronté Morlaix. On me dit oui, mais il a pas pu fumer Morlaix facilement, voire tout court, parce qu'il ne pouvait pas tout détruire. Moi, ce que je réponds, c'est que, est-ce que Shanks a besoin de tout détruire Marie-Joise pour fumer Morlaix? Luffy, est-ce qu'on en a besoin? Il a mis une patate à Kizaru, il est endormi. Kaido, Ramaake, finito. Big Mom, coup de poing à Kideroi. Fin du débat. Voilà, un niveau Yonko n'a pas besoin de tout détruire. Voilà. Et puis même, qu'est-ce que ça veut dire tout détruire pour Aramaki faire pousser des fleurs? Un peu de sérieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'il détruit tout, lui? Il fait pousser des pissenlits, frérot. Il va détruire le château en faisant pousser des fleurs, en faisant pousser des roses. Ça veut dire quoi? T'as besoin de tout fumer? L'écosystème de Marie-Joise. T'as besoin de tout détruire? Un peu de sérieux. Pour fumer Morlaix. Et ce mec-là, il a le niveau de Shanks. Shanks, il a la main dans la poche, il le tue, Morlaix. Il le tue. Il ferme les yeux, il peut dormir, il rompiche, il le tue, Morlaix. Sans tout détruire. Ouais, mais même à Kainu, il a dit les mecs, pas d'excuses. Même à Kainu, c'est leur chef quand même. Même à Kainu, il a dit les mecs, faut pas déconner. C'est Morlaix en face. Si ça avait été King, mais il t'aurait tué. T'imagines si t'es environnement nerfait. Il y a des nerfs de... si t'es Marie-Joise nerfette, bah du coup tu mets King, frérot. T'es Jardiland nerfette, frérot. Si t'es... Écologie nerfette. Je suis mort. Mais du coup, si t'es nerf à ce niveau-là, mais tu mets un mec plus fort, mais il te tue, en fait. Et moi, ça m'avait fait rire avec Fujitora. On me dit souvent, ouais, mais Fujitora, tu chies sur ces météorites, parce que oui, je leur chie dessus, parce que l'eau de l'époque et Doflamingo, on s'en tapait, entre guillemets, ils les ont fumés. On me dit, ouais, mais il a beaucoup plus de techniques pour gagner. Ah ouais? Alors pourquoi contre Karasu, il voulait en envoyer une? Pourquoi est-ce que contre Karasu, il voulait envoyer une météorite? S'il a mille et une techniques. Ouais, bah ouais. Ah bah oui, mais c'est compliqué. Ouais, mais tu comprends pas, pour Fujitora, il voulait aider les esclaves. Ah ouais, et Aramaki, il voulait pas les aider. Pourtant, il a galéré. Donc pourquoi pour Fujitora, en fait, lui, il aurait pu le fumer en deux secondes et pas Aramaki? Bah oui, mais c'est compliqué. Parce que ce sont juste, objectivement, des merdes.